Ouais. Il y a quelques mois, je suis passé de cette chaise. Celle-là, là, que j'ai utilisée tout cet été alors que je passais des gros 15 heures de stream par jour. À celle-là. Elle a trop de flow, elle est banger. Et en plus, j'ai oublié le plus important. Elle est dédicacée à mon nom. Ouais, ça flex peut-être un petit peu. Merci Quersus. Ils m'ont mis trop bien. Ils ont vu que j'étais en détresse avec la mienne et ils ont accepté de m'envoyer une des leurs. Je vous ai évidemment laissé le lien du site dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à aller checker le site pour envoyer de la sephore. Et moi, je vais vous en faire une petite présentation. Bon, je pense que tout le monde l'a deviné. Quersus, c'est une marque de chaises gaming et ils ont plusieurs gammes différentes. Pour commencer, on a les Icos qui est tout nouveau et qui est une taille universelle par rapport à votre gabarit. On a ensuite les Evo qui est celle justement que moi je possède et exactement la même qui va de la taille S à L. Les Vaos qui va de M à XL et pour terminer les Geos qui vont de L à XXL. Incroyable. Au niveau de la customisation, il y a pas mal de choix. Vous choisissez le modèle que vous voulez et ensuite à vous de regarder au niveau du tissu et de la couleur. Ça peut être orange, jaune, bleu, violet, blanc, gris. C'est vraiment à vous de personnaliser la finition de votre chaise. Vous avez aussi la possibilité, comme moi j'ai pu avoir, de rajouter un appui-tête derrière avec une personnalisation en particulier. Ça peut être un texte ou un logo, peu importe du moment que vous avez votre idée en tête. Ça peut être Hitachi, comme le nom de votre chat, j'en sais rien. Et une fois que vous avez fait tous vos choix, forcément, il ne reste plus qu'à passer la commande. Alors oui, ça coûte quand même un certain prix selon le modèle que vous choisissez et surtout par rapport au nombre de personnalisations que vous allez ajouter. Mais en ce moment, l'envoi des fauteuils, il est gratuit. Et le prix, il est aussi en rapport avec la qualité. Je vous dis pas ça parce qu'ils m'ont envoyé une chaise. C'est surtout aussi par rapport au fait que ça fait quelques mois maintenant que je l'utilise celle-là quotidiennement. Et je vous jure que ça fait une différence entre une mauvaise et une bonne chaise. Quand tu passes ta journée devant ton écran parce que t'es sur tes ranked sur League of Legends et que t'es bronze et que t'as du mal à passer silver, bah ça te fait moins rager d'avoir une chaise Quersus. Parce que tu peux t'asseoir dessus et te dire « Ah, en vrai de vrai... » quand même bien installé quoi. Donc voilà quoi, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez aller regarder le site. Et il y a un truc, c'est vrai, que je vous ai pas montré, c'est les chaises en édition spéciale. Si vous êtes fan par exemple de Solari ou de Alderiat ou de Gotaga ou peu importe, bah, y a des chaises justement qui sont complètement personnalisées à leur effigie. Elles sont trop stylées. Genre moi, ma préférée, c'est celle de Aldé. Elle est légendaire. Voilà, voilà quoi. Ainsi se termine cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à Quersus et à vous aussi parce que c'est une des dernières vidéos de l'année 2022 qui sort. Pour tout ce que vous avez apporté pour cette année, vraiment, ça a été une très très belle année en termes de drop, en termes de hype et sur plein de points différents. Merci encore. Je vous souhaite à tous une agréable journée comme d'habitude, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.